Là, il y a une quarantaine de mètres, je pense. Voilà, donc faut y aller tranquillement, parce que la 3008, pour respirer, c'est toujours un peu plus dur. Et puis bien de s'assurer pour pas chuter. Il n'y a pas grand monde qui peut avoir cette vue ici. On est quelques-uns et on surplombe toute la vallée de Chavonix et toute la chaîne. C'est assez sympa et en plus on a une sensation de mouvement avec la fusée parce qu'elle est quand même souple. Donc dès qu'il y a un peu de vent, il y a toute la structure qui bouge. Donc c'est assez impressionnant. La liberté, d'être tranquille au sommet, d'être seul au monde.